Aujourd'hui, les amis, je vous ai concocté du gros, du lourd, de l'excellentissime, du bonbon pour ceux qui ont la dent sucrée, ou devrais-je dire du petit filet mignon. Du placement de produits gratuit sans aucune rémunération, j'ai regroupé pour vous le meilleur et le pire des publicités françaises versus québécoises. Wesh. Les pubs. Ah là là, ce merveilleux format qui rapporte tant aux compagnies en nous vidant les poches à nous, hein. Carte de crédit, wouhou! Pour la petite précision, au Canada, les revenus publicitaires à la télévision s'élèvent à plus de 3 345 000 dollars. C'est en fait le salaire que toute ma famille et moi, sur 10 générations, ne ferons jamais sur toute une vie, hein. Et je peux vous dire qu'on est beaucoup dans la famille. D'ailleurs, si tu fais toujours pas partie de la famille, abonne-toi. Mais bon, on va pas se le cacher, de nos jours, une grande majorité de la population, elle regarde la télé. Désolée de te l'apprendre, Thierry. Mais tu sais, en France, là, chaque jour de 2016, selon une étude, super fiable, 43,5 millions de personnes sont devant leur téléviseur, chaque jour. Bref, ça fait un paquet de spectateurs, et donc ça fait un paquet de thunes, les mecs. Et pour ceux qui l'ignorent, la télévision, elle fait son cash avec les publicités. Ben wesh, les gars! Mais un truc qui m'a toujours impressionné des publicités, c'est de voir à quel point le comportement des gens est influencé par ce qu'on consomme, médiatiquement parlant. Non mais je vous explique, c'est parce que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, si je leur dis qu'ils ont frit, ils vont me répondre, ben, on a tout compris, elle veut en venir où? Il a frit, il a tout compris. Et si je vous dis Australie, vous me répondez, ah ben, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je me lance. Australie. Ah non, pas encore. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. T'as pas autre chose? Alors on va relancer la boule. Loto, à quel tour? Mais le problème pour moi, c'est que si je dis ça au Québec, eh ben j'ai l'air d'une conne, tabarnak. Hey, le chat pour venir ici, sais-tu quoi? Mon chat, il a pas voulu démarrer, je sais pas ce qu'il y a. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Pardon? Tu comprends pas? Non mais ça fait mal au cœur de voir que des choses si cultes n'ont pas traversé l'Atlantique! Mais je te rassure, c'est valable dans l'autre sens. Il y a plein d'autres choses qui ne se sont jamais rendues en France. Vous devez vendre votre grosse Camaro 78, vite, vite, vite. Alors composez le vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Ouais, une chance que ça s'est jamais rendu en France. Mais ce que j'ai remarqué entre la France et le Québec, c'est qu'il y a différents types de publicités. Le message que l'on essaye de faire passer, il est complètement différent. Au Québec, par exemple, les publicités que l'on peut voir sont plus des publicités sur des restaurants. Barbie's Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Des préservatifs. Faire l'amour. Faire l'amour au Québec. Solidurex peut t'aider à faire l'amour. Ou encore de l'alcool. Ouais. Fruité et généreux serait perfect. Parfait. Ah oui, mais vous, les Québécois, votre accent, on y comprend que dalle. Merci. Love, sex and drugs made in Québec. Tandis qu'en France, on ne trouvera que très 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 rarement des pubs sur l'alcool. Vous êtes des putains d'alcoolos les Québécois? C'est une blague, ça va. Non non mais en France, ça va être plutôt des pubs genre des problèmes de digestion. Mais mange ma fille, tu es maigrichonne. Elles sont pas bonnes mes boulettes. Tu as des problèmes au bureau? Avec Stéphane? Tu as rencontré quelqu'un? Je te raconterai. Depuis un mois, Charlie boit 2 briques de silhouette active par jour. Son principe actif réduit la sensation de faim sans frustration. Pour des crédits financiers. Un crédit flexible avec un taux intéressant. Ça vous parle? Ou encore pour des produits ménagers. Braise, profitez maintenant de 1€ de réduction en magasin. Ah, entre la France et le Québec, c'est pas la même ambiance. C'est la crise financière. Le truc qui m'impressionne beaucoup entre les publicités de la France et du Québec, c'est que les slogans des mêmes marques changent complètement. J'aime Maybelline. Ouais, mais au Québec, les mecs, c'est peut-être Maybelline. C'est quoi, vous êtes pas sûr ou... C'est peut-être Maybelline qu'on met, mais c'est... Va pas nous influencer, là. Et il y a une chose qui m'impressionne encore plus, vous allez voir à quel point la publicité influence des foules au complet. En France, McDonald's, c'est tout ce que j'aime. Au Québec, c'est... McDonald's. En France, on n'a pas le choix, là, c'est tout ce que j'aime. Il y a juste ça, les gars. Carglass répare, Carglass remplace. Eh oui, puis quand j'ai entendu que Carglass au Québec était rendu le beau... T'as intérêt d'avoir un beau pare-brise une fois que c'est réparé. Je sais pas vous, mais moi je suis tellement réceptive aux musiques de publicité. Vous pouvez être sûr que quand j'entends une publicité une fois, elle est imprégnée dans ma tête jusqu'à la fin, hein. Et alors en France, autant qu'au Québec, les compagnies de communication ont bien compris ça. Ils créent des musiques insupportables. Efficace et pas cher, c'est la marque que je préfère, c'est la marque.
Mais est-ce qu'on peut se parler des vêtements? C'est quoi qui est passé dans la tête du designer à ce moment-là? Tu me mettras un peu de vert. Un vert profond, intense, à quoi? Qui fait ressentir la profondeur de l'intensité des eaux turquoises des Bahamas. Il faut que les gens voyagent. Voyagent. Puis après, tu me mettras du rose un peu. Du rose pour montrer la douceur intempestive de la sueur. Sueur un peu mal baisée, puis ça va être parfait. Par exemple, il y a quelques années, Subway au Québec a lancé son 12 pouces qui équivaut à 30 cm. Ben ouais, les gars. 12 pouces, 5 dollars. 12 pouces, 5 dollars. 12 pouces, 5 dollars. C'est l'angoisse, là, je vous jure. Mais bon, il faut avouer une chose, c'est qu'en France, on est chaud du cul, hein. Enfin, pas tout le monde, hein, évidemment. Juste les gens à la télé, là. Non, mais je dis ça parce que beaucoup de pubs sont tournées autour du sexe. Est-ce qu'on a un problème avec le kiki, les boys? Fleur de peau de ma part, c'est vos mains qui vont être surprises. Oh là là, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un Mikado? Non mais j'adore les publicités québécoises parce qu'ils jouent toujours sur des jeux de mots puis sur des accents incroyables. Un cadeau. Oh ben là, gracias. Au prix du gros. Le prix du gros. J'ai fait un test à l'aveugle. Au prix du gros, t'économises. Puis il y a des grosses chances que ça soit de l'argent. Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai un jeu quand je regarde la télévision. Je teste un petit peu ma culture publicitaire générale, quoi. Le jeu, c'est de deviner le plus rapidement possible quelle est la marque présentée dans la publicité. On compte les points. Alors je vous propose qu'on fasse ce jeu ensemble et vous me direz votre score dans les commentaires. Flash, j'ai un point. Peugeot. Et en ce moment, Peugeot vous offre une voiture. C'est quoi comme voiture? Parce que des fois, il faut lire hein, la petite légende en bas. Hein. Le nouveau O. Opel, M&M's, Q10, Révolution Diadème, Gillette, voici le nouveau Venezuela. Oh, les trucs de SMS de merde. Au 7, 15, 15. Ça, c'est vrai. Et aussi, tu pouvais savoir si t'étais en couple en envoyant amour au 8, 15, 15. Oshuaia, Nature, Tahiti. On n'est pas bien, là. Pas toi. Toi et moi, il met belle basket. Ah oui, elle est sauvage. Axe, c'est la pub de Axe. Lynx. Ah oui, c'était Axe, c'est ça. Sarakis, on voulait des brebis. Vous me remercierez de vous avoir contaminé. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre meilleure pub. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like juste en dessous et n'oubliez pas de rejoindre la Denise Family en vous abonnant à ma chaîne. Je vous aime.